Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XVIIe épisode, la bodega du vieux grillage. Lord Buridan a donc déclaré la guerre à la main rouge. Après être rentré en possession de sa fortune, il a quitté le Canada pour New York, où il a retrouvé enfin son ami le poète Agénor Marmousier. Il a maintenant fait la connaissance de Fred Yorgel, de Harry Dorgan et des Français. Tous ensemble, ils se sont mis d'accord pour unir leurs efforts afin de délivrer le professeur Bondona et d'anéantir la main rouge. Ils ont maintenant quitté New York et se sont réunis dans une propriété que possède Fred Yorgel dans les environs de San Francisco. Là, dans le plus grand secret, ils préparent les plans de la conquête de l'île des Pendus. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel, à San Francisco même, les frères Cram... Enfin, que fait-il? Il devrait déjà être arrivé. Voyons, Cornelius, le train a peut-être du retard. N'oublie pas qu'il vient de New York. Mais je le sais bien qu'il vient de New York. Pourquoi me dis-tu cela? C'est loin, New York. Écoute, Fritz, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous avons rendez-vous là-bas dans une heure. Allô? Oui? Ah! Ah! Enfin, faites-le monter immédiatement. C'est Baruch. Oui, ben, mais... tu vois, il n'y avait aucune raison de s'impatienter. Entrez! Entrez, mon cher Baruch. Alors, bonjour. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi m'avez-vous demandé de venir d'urgence à San Francisco? La situation est donc si grave, hein? La situation n'est pas grave, mais elle est suffisamment sérieuse pour que nous ayons tenu Fritz et moi-même à ne pas vous laisser à l'écart, ouais, comme vous nous l'avez déjà reproché. Mais enfin, docteur, pourquoi tant de mystère? Expliquez-vous. Du calme, Baruch, du calme. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je suppose que ce long voyage en train vous a fatigué. Porte-moi, moi, fatigué? Enfin, voyons. Très bien. Alors voilà, vous savez que nous traversons, enfin, je veux dire, la main rouge traverse une crise sérieuse. Oui. Des centaines des nôtres sont inquiétés tous les jours. Et si nous ne réagissons pas immédiatement, cela risque de devenir inquiétant, même pour notre sécurité. Vous savez aussi qui a déclenché cette campagne contre la main rouge? Bon, enfin, évidemment, mon père, enfin, le vrai, oui, je le sais. Oui, Fred Yorgel, votre vrai père. Oui. Mais il n'est pas le seul. Oui. Il n'est pas le seul. Tous nos ennemis se sont unis à lui. Et je dirais même mieux, ils ne se quittent plus. Tenez, regardez cette carte. Oui. Vous voyez cette marque rouge? À une dizaine de kilomètres de San Francisco. Oui, eh bien, je vois, Golden Cottage. Et qu'est-ce que c'est, un village? Mais non, c'est la résidence de Fred Yorgel. Une superbe propriété de style colonial. Le quartier général, d'où il dirige les opérations qu'il mène contre nous. Et maintenant, prenez connaissance de cette liste. Oui. C'est celle des invités de Golden Cottage. Alors, Harry Dorgan, Isidora, Agénor Marmousier, Antoine Pagano, Roger Ravenel, Frédéric Bondona, André de Maubreuil. Méfiez-vous, Baruch. Méfiez-vous. Avec les préoccupations que nous avons, la question femme doit être soigneusement écartée. Du moins pour l'instant. Bon, continuez. Bon, je continue. Oscar Tournesol. Ah, oui, le bossu. Ah. Lord Buridan, hein, Clum. Ah, oui. Ils ont donc réussi à revenir du Canada, ces deux-là, hein? Oui. Oui, là encore, ça a été un échec. Et le faux Baruch, Joy Dorgan, où est-il? Il est resté au Canada, mais nous le surveillons de loin. Bien, je vois. Mais alors, que comptez-vous faire? Qu'en pensez-vous, Baruch? Bon, théoriquement, c'est simple. Puisque nos ennemis sont maintenant tous réunis au même endroit, il doit être possible de les éliminer tous ensemble, non? Oui, nous y avons pensé, seulement ce n'est pas réalisable. D'abord, cela risquerait d'attirer l'attention sur la main rouge et ce n'est pas le moment. Ensuite, nous n'avons personne dans la place, à l'exception d'un homme qui nous fournit les renseignements, mais qui n'est pas des nôtres, Edward Redmond. Vous vous souvenez de lui? Ah oui, le concierge que cela faisait chanter. C'est cela. Eh bien, Edward Redmond est devenu l'homme à tout faire de Fred Yorgel. Il le charge même de mission de confiance. Ah bon? Ah, et que comptez-vous faire alors? Attendre. Attendre? Mais attendre quoi? Vous allez comprendre. Actuellement, Fred Yorgel fait construire une espèce de super yacht de guerre qu'il a baptisé la Revanche. Bon.
Le but de l'opération est d'embarquer tout le monde à bord du bateau et d'aller attaquer l'île des pendus pour délivrer le professeur Bondona. Mais il faut les en empêcher à tout prix, voyons. Ah, attendez, attendez. D'abord, ils ne sont pas partis. Nous avons beaucoup des nôtres dans le chantier naval qui construit la revanche. Et ma foi, un sabotage par-ci, un sabotage par-là. Et la revanche n'est pas prête de prendre la mer. Peut-être, mais ils finiront bien par partir un jour. C'est parfaitement exact, et nous y avons pensé. Au fait, Baruch, vous êtes allé à l'île des pendus. Savez-vous exactement où elle se trouve? Eh bien, du côté du pôle Nord, non? Oui, oui, en effet. Mais je suis sûr que vous ne connaissez ni sa longitude, ni sa latitude. Et aucun de nos ennemis, pas même Lord Buridan qui y a séjourné, ne le sait. Vous vous souvenez de Johnny et Charlie, les faussaires de l'île des pendus? Oui, vos sosies. C'est cela. Eh bien, nous leur avons fait rédiger une fausse lettre, soi-disant de Bondona, dans laquelle il indique à ses amis l'emplacement exact de l'île. Mais pourquoi leur avoir donné ces indications? Il leur a mieux valu tout de suite. Oh, voyons, Barry, vous n'imaginez pas que nous leur avons donné les vraies coordonnées de l'île, tout de même. Oh, non. Ils sont maintenant persuadés que l'île des pendus se trouve dans le voisinage du cercle antarctique. Entre le Cap Horn et la Terre de la Désolation. Mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils vont naviguer pendant des années sans rien trouver. Ils ne navigueront pas si longtemps. Mais que voulez-vous dire? Vous allez le savoir. Venez, il est temps de partir. Hein? Docteur Cornelius, où allons-nous? À la Bottega du Vieux Grillage. C'est le plus ancien cabaret de San Francisco. Il a survécu à tous les tremblements de terre. Vous verrez, c'est un endroit très pittoresque et surtout très pratique. La grande salle est séparée du bar et des cabinets particuliers par un grillage. Nous avons réservé un de ces cabinets particuliers d'où nous pourrons voir sans être vus. Bon, allons-y. Ah, j'oubliais. Prenez cette écharpe, ces grosses lunettes d'automobiliste. Et moi, je prends ce feutre. Il ne faut pas que l'on puisse nous reconnaître. Venez. Vous voyez ces trois hommes à la table là-bas, Baruch, à gauche. Oui. Les trois qui boivent du punch en fumant des cigares de manille. Eh bien, celui qui a l'air d'un employé de banque avec des favoris blonds, c'est Edward Edmond. Et ce vieux, la tête de pirate, qui parle avec lui, qui est-ce? Ah, ça, c'est le capitaine Christian Knox. Et il est célèbre dans tous les bouges de San Francisco. Il a été soupçonné plusieurs fois d'assassinat. Et il passe pour faire de la piraterie. Et le troisième? Je ne sais pas. Un quelconque matelot, sans doute. Monsieur Edward Edmond, j'ai visité aujourd'hui le chantier où l'on construit le fameux yacht. Eh bien, vous n'aviez pas exagéré. C'est qu'on ne ménage pas les montantes. Tout est de première qualité. D'après ce que j'en ai vu, c'est un bateau qui filera facilement ses 30 nœuds à l'heure. Mais, par exemple, je me demande à quoi pourra servir à Paris. Ah, ça, c'est vrai, on dirait tout à fait un bateau de guerre. Oui, on me dirait que ce yacht-là est destiné à couler bas les jonques chinoises et les voiliers anglais dans les parages de la Polynésie. Ça ne me surprendrait pas. Mais qu'est-ce qui vous fait croire une pareille chose? Je suis un vieux macaque. À qui on ne la fait pas? Votre dernier bateau ne ressemble ni à un yacht de plaisance, ni à un vapeur de commerce. Mais enfin, vous devez bien savoir à quoi il servira. Mais je vous ai déjà dit que je l'ignorais. Mais que diable! Vous devez bien connaître ceux qui le font construire. Oui, ça se pourrait, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. À votre aise. Seulement ces cachotteries-là ne me plaisent pas. Bon, enfin, vous avez vu le bateau, vous êtes au courant des conditions. Maintenant, il me faut votre réponse. Ça vous dirait rien de vous embarquer avec nous en qualité de premier lieutenant? Pas question. Moi, quand je prends la mer, c'est pour mon compte. Et sur un bateau à moi, je ne vais recevoir d'ordre de personne. Comme il vous plaira. Et vous, Hardy, qu'en pensez-vous? Que diriez-vous d'un engagement de 3 mois avec double solde, nourriture de premier choix et pas trop de fatigue? Ah ben moi j'en suis. C'est pas tous les jours qu'on trouve une occasion pareille. Eh ben c'est entendu. Vous passerez demain à mon bureau signer votre engagement. Monsieur Slug, vous ici... Comme vous voyez, et je suis ravi de vous rencontrer. J'avais justement quelque chose à vous dire. Vous avez bien un instant?
Hein? Excusez-moi, messieurs, je vous le renvoie dans très peu de temps. Venez, venez. Tenez, Édouard, cette table est libre, nous y serons très bien, asseyez-vous. Oui. Bon, venez-en, en fait. À ce que je vois, vous n'occupez plus les honorables fonctions de concierge en chef chez le milliardaire Fred Jorgel. Non, 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 non. Mais vous vous êtes fait recruteur de matelots. Qui vous l'a appris? Peu importe, bon, je continue. Fred Jorgel vous a donc chargé de lui trouver des gaillards solides et honnêtes pour une mystérieuse expédition dont le but vous est d'ailleurs parfaitement inconnu. Oui, c'est vrai. Oui. Eh bien, mon cher Édouard, je me suis mis en tête de vous aider dans votre tâche. Et j'ai des raisons de croire que vous suivrez mes conseils à la lettre. Ainsi, par exemple, ce Hardy que vous venez d'embaucher. Oui, j'en veux pas. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'il me déplaît, tout simplement. Mais rassurez-vous, vous ne perdrez rien. Vous touchez 1000 dollars par mois pour me laisser examiner le courrier de Fred Jorgel, hein? Vous en toucherez 2000, à la condition de n'engager que les marins que je vous désignerai moi-même. Qu'est-ce qui serait dommage? Que vous ne puissiez plus lui offrir ce qu'elle vous demande. Vraiment dommage. Alors, quelle est votre décision? J'accepte. Vous n'avez qu'à commander, je suis votre ange. Je savais bien que vous étiez un homme raisonnable. Eh bien, je vous laisse avec vos amis. Hein? À très bientôt. Eh bien, Mr. Slug, avez-vous réussi? Oui, Miller. L'Irlandais sera désormais le plus fidèle des esclaves de la Mer Rouge. Il n'avait pas l'air très décidé. Oh, il suffit qu'on parle à Edward, Edmond de la Dorifa, pour le rendre docile. Il est fou de cette fille. Elle lui mangera jusqu'à son dernier dollar et le conduira à la potence. Tenez, regardez-la, il se précipite vers elle comme un petit chien. C'est bien, Slug. Vous pouvez vous retirer. Demain... Lord Buridan est bien Slug, il voudrait mieux qu'il ne vous rencontre pas. Sortez par derrière. Dites-moi, c'est Oscar qui est avec lui là-bas? Et le troisième, qui est-ce? Agénor Marmousier, le poète. Ah. Le secrétaire de Fred Jorgel. Allons, venez, nous n'avons plus rien à faire ici, partons. Alors, ce champagne, il arrive? Qu'est-ce que c'est encore que cet établissement? Pas mal, cette danseuse espagnole. Qu'en pensez-vous, Agénor? Tout à fait d'accord avec vous. Ah ouais, danse bien, vous avez vu comme elle trémousse des hanches? Oh, bah dites donc, il se croit à la messe de changer de trémerie. Tu as raison, Oscar, on ne peut plus s'amuser ici. Nous n'aurons pas assez de toute la nuit pour visiter tous les bouges de San Francisco. Allez, allons-y. Ouais, ouais, on se casse. On commence à s'ennuyer. Cette négresse? Oui, elle trémousse bien aussi, celle-là. Elle est complètement en transe. En effet, extraordinaire. Ah, ça, c'est du spectacle. Ah ouais. Allez, champagne pour tout le monde! Bien quoi? Pourquoi nous regarde-t-il comme ça? C'est un scandale! Dehors! Faites sortir ces fêtards! Vous n'avez pas le champagne? Alors, messieurs, sortez!
Vous voyez bien que vous perturbez une cérémonie religieuse. Une cérémonie religieuse. Ça alors, une cérémonie religieuse. Eh bien, c'est le meilleur numéro de music hall que nous ayons vu ce soir. Attention, regardez ce vieux qui vient de notre côté. Qu'est-ce qu'il tient? Il va nous rentrer dedans, c'est sûr. Espèce d'imbécile, vous pouvez pas regarder devant vous. Ah, ça, c'est un comble. Il nous bouscule et il nous engueule. Allez, pousse-toi de là. Sac à vin. Quoi, moi, un sac à vin? Répète un peu. Moi qui ne bois jamais que du gin, et encore, avec de l'eau. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, allons-y. Et voilà, KO au premier round. Vous avez vu quel état vous m'avez mis? Comment pourrais-je me présenter dans le monde maintenant? Le red gentleman se reconnaît à une tenue impeccable. Ah, vous allez me payer ça! Vous voulez qu'on recommence? À votre service. Attendez! Je le connais, c'est le père Sliri. Lâchez-le, Milord. Ah, si c'est un de vos amis, c'est différent. Mais qui êtes-vous donc? Mais comment, monsieur Sliri? Mais vous me reconnaissez pas, je suis Oscar Tournesol. Un des plus brillants élèves du Gorille Club. Mais si vous savez bien, l'élève favori du célèbre Clum Boom Bridge. Monsieur Oscar. Ah. Admis, je vous reconnais parfaitement. Monsieur Sliri. Qui prenez vos amis pour des bandits. Monsieur Sliri, où êtes-vous donc? Dépêchez-vous de rentrer, vous avez assez bu comme ça. Mademoiselle Régine. Oh, monsieur Oscar, comme je suis contente. Vous ici, à San Francisco? Ben oui. Permettez-moi de vous présenter mes amis, Laura Storburidan et Monsieur Agénor Marmousier. Enchanté, mademoiselle, enchanté. Permettez-moi de vous inviter à déboucher une bouteille de champagne dans ce bar, là. Monsieur Sliri en aura bien besoin après toutes ces aventures. Et vous nous raconterez les vôtres, hein? Je sens qu'elles seront passionnantes. Ne sont pas tellement passionnantes, mes aventures. Mon établissement du Gorille Club a été vendu. Je devais 3 termes à mon propriétaire. Il n'a pas toujours été très sage dans mon administration. Je suis un artiste, moi, que voulez-vous? Tu mets n'insistons pas. Ah bah c'est ça, insistons pas. Dites-moi plutôt comment il se fait que vous soyez à San Francisco. Alors, putain, mais je ne me suis pas laissé abattre. Et avec tous les pensionnaires qui se trouvaient sans emploi, j'ai monté une troupe de premier ordre. Nous avons eu des succès très brillants à Chicago. Mais quand c'est la déveine... C'est la déveine. À San Francisco, ça a été la débâcle. Notre caissier a mangé la grenouille. On a refusé de nous louer des salles. Et où en êtes-vous maintenant? C'est la misère, Milan. Il y a des moments où je songe au suicide. Adossi, ne soyez pas étonnés. M'avoir rencontré dans un état de débriété peu digne d'un vrai gentleman. Je bois pour oublier mes chagrins. Non, mais la vérité, c'est que toute notre troupe est prisonnière d'un tenancier d'hôtel qui nous a confisqué tous nos costumes et nos accessoires. Il nous accable tous les jours de reproches et ne nous accorde plus à chaque repas qu'une quantité de nourriture dérisoire. Bon, eh bien, allons voir ce tenancier. Nous allons lui faire changer d'avis.
Le voilà, c'est lui. Te voilà que t'y frognes et tu ramènes chez moi d'autres crèves la fin de ton espèce, mais cela ne sera pas tertoffé. Allez, t'es hors. Lâchez-le. Combien vous doit, monsieur Sleary? Combien? $100. C'est bon. Et voici. Mais je vous préviens, si vous ne montrez pas envers moi et mes amis la plus exquise politesse, je vous gratifierai de la volée la plus magistrale que vous ayez jamais reçue. Ya, que votre honneur veuille bien m'excuser. Si votre honneur veut bien se tonner, la peine t'entrer. Je n'ai voulu parler que de ces coquins d'acrobates. Tâchez d'être plus respectueux envers mes amis les acrobates. Ya. Espèce d'infâme taulier. Allez, ya. Conduisez-nous. Ya, ya. Voici ma troupe. Vous voyez, ils n'ont pas l'air très heureux. Je ne vois rien ici. Hola, taulier! Allumez-moi tous ces becs de gaz, qu'on y voit clair. Allez, plus vite que ça. Un souper pour tout le monde et que le champagne coule à flot. Depuis le temps qu'on en parle, de ce champagne. Et tâche que boisson et victuailles soient de premier choix. Sinon tu auras affaire à moi, hein? Milord Bamboche. Ouais. Hip hip hip. Ouah. Hip hip hip. Ouah. Hip hip hip. Ouah. Merci mes amis, merci. Taulier, on rencontre le champagne. Ouais. Et dis-moi Oscar, si tu me présentais tes amis. Bah, avec plaisir. Voici Goliath, l'homme le plus fort du monde. Regardez ses biceps, ils ont un mètre de tour. Bravo. Fulguras, l'acrobate salamandre, la torche humaine. Il est aussi à l'aise au milieu du feu que si c'était son élément naturel. Enchanté. Bobberwet. Le nageur émérite, surnommé le triton des temps modernes. C'est moi. Romulus, l'obus vivant qui se fait charger dans un canon et projeté en l'air. Il saisit au vol un trapèze, il exécute les exercices les plus périlleux. Alors, j'ai entendu parler de vous, monsieur. Les frères Makoko et Kambo, ils sont incomparables dans leur numéro de singe acrobate. Le prestidigitateur Matalobos, le jongleur chinois Yang Kai, les frères Robertson, et permettez-moi enfin de vous présenter monsieur Bumbridge, le maître et l'exemple de toute cette lignée d'acrobates. Enchanté de vous rencontrer enfin, Mr. Bumbridge. Oscar m'a beaucoup parlé de vous. Mais dis-moi, Oscar. Dis-moi, tu ne me présentes pas les dames? Ah, hein? Mais si, vous connaissez déjà mademoiselle Régine Bumbridge, oui. Qui est une écuyère extraordinaire. Ses deux équipières, Isabelle et Olga. Oh, ravissantes, toutes les trois. Et qui est cette belle brune? C'est mademoiselle Nudita. Ah. Elle est admirable dans ses danses lumineuses. Mademoiselle Winnie, l'équilibriste. Enchantée. Elle est très célèbre, vous savez, elle a traversé le Niagara sur une corde tendue, comme le français blondin. Ah oui, j'en ai entendu parler. Mes amis, si on donnait un spectacle à Lord Buridan et à mon ami Agénor Marmouth... Allez, c'est une bonne idée. Ah, mais nous n'avons pas de costume. Mais dites ce soir. Attendez, je vais arranger ça. Taulier. Ya, votre honneur. Vous allez me faire le plaisir de rendre leur matériel à mes amis les acrobates. Ya, tout de suite, matériel. Félicitations. C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Et Oscar, n'exagérez pas en disant que vous étiez de grands artistes. Mais parlons maintenant de choses sérieuses. Voilà, j'ai une proposition à vous faire. Je sais qu'en ce moment, vous n'avez pas d'engagement, que vous avez même des dettes, enfin bref, que votre situation n'est pas très brillante. Eh bien, il ne tient qu'à vous de sortir de ce mauvais pas. Comment? Mais que proposez-vous? Eh bien, il m'est venu la fantaisie de devenir impresario. Si vous êtes d'accord, je vous engage tous, et à des conditions telles qu'aucun d'entre vous ne le regrettera.
Je n'ai pas l'habitude de marchander. C'est donc vous-même qui fixerez le montant de vos cachets. Bien, je pense que vous êtes d'accord. Attendez, je ne vous ai pas tout expliqué. Il se peut que je vous emmène très loin d'ici et que nous soyons obligés de faire un long voyage. Cela nous va, quand le départ. Oui, quand? Ça, je n'en sais rien encore. Peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 1 mois, peut-être plus tard. Mais à partir de demain, vous toucherez vos appointements comme si vous étiez déjà entré en fonction. C'est tout ce que je puis vous dire. Le reste est un secret qui me concerne seul. Oh ben ça alors ? Je suis bien content que vous ayez engagé mes amis, mais je vois pas très bien ce que vous comptez en faire. Je suis sûr que Lord Buridan prépare une de ses fameuses excentricités. Mais pas du tout. Je suis très très sérieux, Génor. Voilà, je vais utiliser tous ces individus dont l'adresse, la force et l'agilité sont extraordinaires, et je vais les utiliser à faire le siège de l'île des Pendus. Le siège de l'île des Pendus ? Mais oui. Et je suis sûr que dans une pareille circonstance, les nageurs, les Hercules, les acrobates seront nos plus précieux collaborateurs. Ça, c'est une bonne idée, mais tout ce monde-là ne tiendra jamais sur la revanche. Ah, très juste, Oscar. Eh bien, je vais acheter mon propre yacht. Comme cela, nous naviguerons de conserve avec la revanche. Cela va prendre encore du temps. Sûrement pas. Je suis sûr que mon yacht sera prêt avant la revanche. En plus, je suis sûr que la main rouge sabote sa construction. Mon bateau, lui, sera construit dans le plus grand secret. Mais surtout, ne parlez à personne de ce projet. Oh bah bien sûr. Bien sûr. Et comment vous l'appellerez, votre bateau ? Ah, tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Que diriez-vous de l'Ariel ? Oh, l'Ariel ! Ah ouais, c'est un beau nom pour un bateau. Eh oui, Oscar a raison. L'Ariel est un très beau nom pour un bateau. Pour un bateau, bien sûr. Mais Lord Buridan et ses amis tomberont-ils dans le piège que leur a tendu Cornelius ? La main rouge réussira-t-elle à s'emparer de la revanche ? Eh bien, vous le saurez en continuant d'écouter le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le guet-apens. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 17e épisode, La bodega du vieux grillage. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Marc de Géorgie, Pierre Vanek, Albert Medina, André Weber, José Valverde, Marianne Épin, Jean-Pierre Joris. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 19 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XVIIIe épisode, le guet-apens.
La Main Rouge connaît donc déjà le projet de Lord Buridan et de ses amis d'attaquer l'île des pendus. Cela n'inquiète guère le diabolique docteur Cornelius. En effet, grâce à une fausse lettre de Bondona, il a réussi à tromper ses adversaires sur l'emplacement exact de l'île des pendus. Mais ce n'est pas tout. Il a également chargé Slug, encore lui, de faire engager des tramps de la Main Rouge dans l'équipage de la Revanche, le yacht que fait construire Fred Jorgel pour attaquer l'île des pendus. Par contre, ce que Cornelius ignore, c'est que Lord Buridan est en train de faire construire dans le plus grand secret son propre yacht, l'Ariel, à bord duquel prendront place les acrobates du Gory Club. Alors que Pagano et Ravenel sont restés à San Francisco pour surveiller les derniers détails de la construction de la Revanche, Lord Buridan et ses amis ont suivi Fred Jorgel, que ses affaires appelaient à New York. Ils peuvent ainsi, en toute tranquillité, jouer les touristes en attendant le grand départ. Trouvé ce matin en me promenant dans les rues de New York. Comment va-t-il? Oh, que c'est drôle! Jamais je n'ai rien vu de pareil. Bah, pourquoi je suis ridicule? Mais enfin, pourquoi te moques-tu de moi ainsi, Frédéric? Maintenant, je n'oserais plus mettre ce chapeau. Bah, mais je ne me moque pas de toi, André, au contraire. Tu es ravissante, n'est-ce pas, Isidora? Oh, Frédéric a raison, ce chapeau vous va ravir, André. Oui, absolument. Oh, tiens! Voici Lord Buridan et son ami Cloum. Nous n'attendions plus qu'eux. Nous sommes tous là, non? Eh bien, oui. Vous ne voulez vraiment pas nous dire de quoi il s'agit, mon cher Harry? Mais, pas question, ma chérie. J'ai promis à votre père qu'il annoncerait lui-même la nouvelle. Alors, cher Lord Buridan, ces affaires qui vous retenaient à New York... Terminées. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah! Oui. L'Ariel est prêt à prendre la mer. Et vous voyez, je vous avais bien dit que mon yacht serait fini avant le vôtre. Vous exigez trop de perfectionnement, mon cher Harry. Et je me demande si votre revanche sera jamais prête à prendre la mer avant. Et si vous fait rire ainsi. C'est que justement... Quoi? Voici Fred Jorgel. Bonjour, mes amis. Bonjour. Bonjour, ma petite fille. Un gros baiser à ton petit papa. Voilà, bonjour. Bonjour. J'espère que je n'ai pas trop perturbé votre programme de visite à New York en vous demandant d'être tous ici en pleine journée. Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Seulement, nous sommes tous très impatients de savoir pourquoi tu nous as demandé de venir. Eh bien, je ne vous ferai pas languir davantage. Ah. Voilà. J'ai reçu ce matin une lettre de M. Pagano de San Francisco. Ah. Il m'annonce que la revanche est prête à prendre la mer. Oh, c'est bon. Oh, alors nous pouvons partir tout de suite à la recherche de mon père. Oh, comme je suis heureuse. Eh non, non, pas tout de suite. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Messieurs Pagano et Ravenel ont fixé le départ au 13 janvier. Oh. Ah bon? Mais vous savez, ça va être un voyage fatigant. Il serait bon que vous preniez quelques semaines de repos avant le départ. Pourquoi n'iriez-vous donc pas passer ces quelques semaines à Golden Cottage? C'est la meilleure époque de l'année. Oh oui, quelle bonne idée! Nous pourrions partir demain, qu'en pensez-vous? Oh oui, très bien. Oh, je serais tellement contente de quitter la neige de New York pour le soleil de la Californie. Eh bien, c'est entendu. Je vais faire prévenir pour qu'on vous prépare Golden Cottage. Ah! Comme ça, on ne pourra plus parler du cottage hanté. Du cottage hanté? Hanté? Oh mon Dieu, c'est vrai. J'avais oublié de vous raconter cette histoire. Figurez-vous que le lendemain de notre départ, il y a 2 mois, de Golden Cottage, des maraudeurs ont essayé d'y pénétrer. Ils en ont été chassés, paraît-il, par une bête mystérieuse qui les a cruellement mordus. Ah! Depuis, personne n'ose plus s'approcher de la maison. Les gens de la région prétendent que c'est le fantôme du précédent propriétaire qui revient rôder dans la villa sous forme d'un animal diabolique. Ah. J'espère qu'aucun de vous ne croit au revenant, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je vais immédiatement télégraphier à messieurs Pagano et Ravenel afin de les prévenir que vous partez demain sur le Pacific Central Railway. D'accord?
Mais, oui, mais c'est que je... Aurais-tu peur des fantômes par hasard, André? Mais non! Mais seulement je dois me rendre après-demain au consulat de France pour finir de régler les papiers de succession et je ne peux absolument pas remettre ce rendez-vous. Eh bien, nous t'attendrons. Ah non, je vous en prie. Je ne veux pas déranger vos plans. Je peux très bien me débrouiller et vous rejoindre à Golden Cottage dans 4 jours. Mais voyons, André, c'est un très long voyage. Mais non. Oh, Frédéric a raison, nous pouvons très bien retarder notre départ de 4 jours. Absolument. Non, je vous en prie. Ne changez rien pour moi. Partez demain, je vous rejoindrai. Vous viendrez simplement me chercher à la gare de Jewelry. Bon, très bien. Mais permettez-moi au moins de vous laisser Mistress McBarlot comme compagne de voyage. Oh. Oh, ainsi cela vous paraîtra moins long. Merci, chère Isidora. J'accepte votre offre avec plaisir. Donc, à 4 jours à la gare de Jewelry. Je serai également très heureuse d'y retrouver messieurs Pagano et Ravenel. Mesdames, nous serons dans quelques minutes à la station de Jewelry. Merci, mon brave. Oh, venez. Merci, madame. Ah, bah, attendez, je vais vous aider à sortir vos bagages. Oh, merci beaucoup. Jewelry Station, dernier arrêt avant San Francisco. Jewelry Station, dernier arrêt avant San Francisco. Jewelry Station. C'est curieux. Nos amis ne sont pas sur le quai. Et personne ne nous attend. Si, regardez, mademoiselle André. On dirait que cet homme là-bas nous regarde. Ah oui, il vient vers nous. Il doit être envoyé par Miss Isidora. Mademoiselle André de Maubreuil. Oui. Je suis le chauffeur du Golden Cottage. Si vous voulez bien me suivre, la voiture est devant la porte. Bien. Je suis quand même étonnée que Frédéric et Antoine ne soient pas venus nous chercher à la gare. Mademoiselle Frédéric a peut-être été retenue à la villa par l'arrivée de quelques invités. Mm-hmm. Vous savez comment est la vie à Golden Cottage? Oui, bien sûr. Mais quand même, Antoine... Vous savez bien qu'il est presque tous les jours à San Francisco. Quand même. Cela fait plus de 2 mois qu'il ne m'a pas vue. Enfin non, je trouve cela vraiment très étonnant. De toute façon, nous voici arrivés. Comme tout est noir. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'anormal, Mistress McBarlot. Vite, remontons dans la voiture. Chauffeur ! Chauffeur ! Mon Dieu ! Le chauffeur nous abandonne. Mistress McBarlot ? Mistress McBarlot, où êtes-vous ? Ici, sur le perron, mademoiselle André. Je sais où est la lumière, j'ai ouvert la porte. Venez. Ne me laissez pas seule, Mistress McBarlot. Mais enfin, où êtes-vous ? Répondez ! McBarlot, répondez-moi. Allumez vite. Je suis là, dans l'entrée. Ah ! Hello, honey. Qui êtes-vous ? Lâchez-moi ! Inutile de crier, mademoiselle.
Mistress Barlotte ne vous entend plus. Nous sommes seuls dans cette maison, vous et moi, ici. Oh, au secours! Non, non, shut up, inutile de crier. Personne ne peut plus vous entendre, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Maintenant, vous allez m'écouter. Non, jamais. Lâchez-moi, mais lâchez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous dis. Mais enfin, que voulez-vous? De l'argent? Tenez, prenez mon portefeuille. Là, dans mon sac, prenez tout, je vous en prie, lâchez-moi, laissez-moi partir. Non, je vous dis que j'ai pas besoin de vos dollars. Ce que je veux, c'est que vous m'écoutiez. Vous entendez? Écoutez-moi. André, je vous en prie, André, écoutez-moi. Je vous aime. Je vous aime comme un fou. Venez, venez, je vous dis. Partons, vous et moi, suivez-moi. Il faut maintenant que vous veniez avec moi. Vous entendez? Vous êtes fou. Non, non, venez, lâchez-moi. Venez. Non, non. Vous êtes malade? Non, non. Au secours, au secours. Mais arrêtez de crier. Arrêtez de crier, mon Dieu. Arrêtez de crier. Personne ne viendra. Cette fois, c'est moi. Moi seul qui ai décidé de tout. Suivez-moi, suivez-moi. I love you, c'est le seul moyen pour vous d'échapper à un terrible danger qui vous menace. Vos amis mourront, mais moi je vous sauverai, vous entendez? Je vous sauverai moi seul. Vous êtes fou. Non. Lâchez-moi. Non, non. Ah, la garce, elle m'a griffé. J'aurais dû vous enlever sans essayer de vous expliquer. Imbécile que je suis. Et maintenant, vous me suivrez de gré ou de force, vous entendez? Rends-moi l'aide, Taisez-vous, ça suffit maintenant! Tais-toi! Et maintenant, viens! Allez! Non! Shut up! Ma voiture est cachée derrière, là-bas, dans la maison. Laissez-moi faire, sinon je vous brise! Vous entendez? Lâchez-moi! Au secours à moi! Au secours! Le mort à moi! Au secours! Au secours! Au secours, le monstre! À moi! Tu l'as, pistolet, mon brave pistolet. Ah, enfin, vous êtes tous là. André, Antoine. Si vous saviez, j'ai été attaquée par un homme. Et sans ce chien, vous ne m'auriez jamais revue. Mais mademoiselle André, ce chien, vous le reconnaissez pas? Non. Mais c'est pistolet, voyons. Mais oui, pistolet. Oh, mais c'est vrai que maintenant, il a l'air d'une vraie bête sauvage. Ah, oui. Oh. Mais c'est l'Orburidan. Attendez, venez, non, par là. Oui, attendez. Attention, André. Qu'est-ce qu'il se passe? Chut. Écoutez, vous n'entendez rien? Ah, mais on dirait que ça vient de derrière cette tenture.
Mais oui, regardez. Mistress McBarlotte. Mais elle est sans connaissance. En effet, elle a été chloroformée. Mais ce n'est pas grave, elle se réveillera d'elle-même dans une demi-heure. Non, non, le mieux est de l'allonger sur ce divan et de la laisser dormir. Voilà. Je suis certain que c'est encore un coup de la main rouge. Et vous, André, vous vous sentez mieux? Oh, comme cela. Je vais aller chercher un petit whisky. Mais enfin, où étiez-vous donc tous? Pourquoi n'étiez-vous pas à la gare? Mais nous y étions, mais à San Francisco, comme nous vous l'annoncions dans le câble. Tiens. Tenez, buvez, là. Merci. Dans le câble? Eh oui. Quel câble? Eh, voilà, j'avais raison, elle ne l'a pas reçu. En ne vous voyant pas descendre du train à San Francisco, nous nous sommes inquiétés et nous avons pris une voiture qui nous a emmenés le plus vite possible à la gare de Uwili. Oui, on pensait que tu y serais. Mais le chauffeur qui nous attendait alors? Eh, sûrement un envoyé de la main rouge. Quand le chef de gare de Uwili nous a expliqué qu'une voiture vous attendait toutes deux, nous sommes devenus fous d'angoisse, car nous savions qu'il n'y avait personne à Golden Cottage. Ce chauffeur ne pouvait être donc qu'un faux chauffeur. Et c'est à ce moment-là que nous avons été persuadés que vous aviez été enlevé par la main rouge. La main rouge? Ça ne peut être qu'eux, car eux seuls sont aussi bien organisés. Ils ont dû savoir que nous avions tous décidé de rester à San Francisco et qu'ainsi il n'y aurait personne à Golden Cottage. Ce sont eux qui ont dû intercepter le câble que nous vous avons envoyé. Dites-moi, André, à quoi ressemblait l'homme qui vous a attaqué? Je ne sais pas. Il avait des yeux. Des yeux? Oh, excusez-moi, Miss Isidora, mais ses yeux ressemblaient à ceux de l'assassin de mon père, ce regard qui hante tous mes cauchemars. Mais son visage, comment était son visage? Je ne sais pas, Lord Buridan, il était masqué. Un masque de caoutchouc noir? Oui, comment le savez-vous? Un lord de la main rouge, maître! Eh oui, Cloum, un lord de la main rouge. Ils sont encore mieux informés que nous le pensions. Oui, il va falloir prendre des mesures encore plus strictes que celles que nous avons prises jusqu'à présent. Oh mon Dieu, j'en tremble encore. Sans pistolet, je suis sûre que vous ne m'auriez jamais revue. Encore un peu de café, André? Oui, merci, Isidora. Ça ne va pas, André? Vous avez l'air fatiguée. Ne vous inquiétez pas, Antoine, je vais bien. Seulement, j'ai fait cette nuit des cauchemars affreux. Oh, comme je te comprends. Tu te souviens, Frédéric, de cet homme qui était monté à bord de l'Arkansas? Attends, laisse-moi me souvenir. Ah oui, celui qui était avec ces deux personnages sinistres qui nous effrayaient tant. Oui. Tu disais que ses yeux t'hypnotisaient. C'est lui, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, toute la nuit, j'ai rêvé que c'était cet homme qui m'attaquait. Je voyais ses yeux, ce regard qui m'hypnotisait. Oh, entré. Oh. Quand je pense que son pistolet... Ah, mais le voilà. Pistolet. Viens, pistolet. Oui, oui. Couchez, allez, couchez. Mais dis donc, tu es redevenu présentable. C'est toi qui l'as lavé, Oscar. Ah, pour ça, oui, puis ça a pâté de la tarte. J'avais l'impression de débarbouiller la bête de Gévaudan. Oui. C'est vrai qu'il avait l'air d'une vraie bête fauve. Qu'est-ce qui vous fait rire, Milord? Pistolet, quand je pense que c'est lui que tout le pays a pris pour un animal diabolique qui hantait le Golden Cottage. Eh bien, voilà au moins un mystère éclairci. Vous croyez? Eh oui, mais c'est évident. Il a dû suivre notre trace depuis des mois et il a fini par arriver ici juste après notre départ. Et il s'y est installé, c'est tout. Mais vous voulez dire qu'il aurait traversé tous les États-Unis depuis la Nouvelle-Orléans jusqu'à la Californie? Mais comment est-ce possible? Oh, mais c'est qu'on raconte des histoires étranges sur le flair des chiens. Beaucoup d'histoires extraordinaires. Mais enfin, pourquoi serait-il resté ici? Il aurait dû continuer à nous chercher, aller ailleurs. Ah non, il a dû reconnaître l'odeur de tous ses amis, la nôtre, celle de Lord Buridan, celle de Cloum, et dans son cerveau de chien, il a dû penser que si tout le monde avait été réuni ici, eh bien tout le monde devait y revenir, et il s'est mis à garder la maison en nous attendant. Ouais. Voilà. Oui, c'est quand même une aventure étrange. Je suis sûr que mon ami Bondona y trouverait une explication. Faudra que nous lui en parlions quand nous l'aurons retrouvé. Si jamais nous le retrouvons? Mais bien sûr que nous le retrouverons, mademoiselle Frédéric, je vous le promets, foi d'Astor Buridan. Nous partons le 13 janvier et je vous promets qu'il sera parmi nous dans moins de 3 mois. Bon, mais puisque tout le monde a fini de déjeuner,
si nous passions au salon pour parler de notre voyage. mais oui, pistolet, bien sûr, tu viens avec nous, mais oui. Allez, nous ne te quitterons plus. Bien, vous avez les cartes, mon cher Ravenel? Mais oui, les voici. Voilà, alors, San Francisco, là. Oui. Le Cap Horn, ici. Nous partirons donc directement vers le sud, en naviguant au large de la côte. Excusez-moi comme de vous interrompre, mais à mon avis, oui, il vaudrait mieux commencer par remonter vers le nord. Vers le nord? Quoi? Pourquoi vers le nord? Pour donner le change à nos ennemis de la main rouge. Il ne faut pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Voyons, on pourrait même remonter jusqu'à Vancouver, et ensuite nous diriger vers le sud en prenant la pleine mer. Oh, cela me paraît une bonne idée. Qu'en pensez-vous, Antoine? Cela nous fera perdre du temps, mais en effet, ce serait plus prudent. Bon, voyons la carte. Alors, l'île des Pendus doit se trouver ici, n'est-ce pas? À peu près, hein? Oui, là, en tout cas, c'est ce qu'indique M. Bondonna dans la lettre qu'il nous a fait parvenir. Vous avez cette lettre, Mademoiselle Frédéric? Oh, elle ne me quitte jamais, tenez. J'ai même gardé la bouteille par laquelle mon père nous l'a fait parvenir. Bien, pouvez-vous nous lire le passage où il donne l'emplacement exact de l'île? Oui, voilà. Le but de cette lettre, mon cher Lord Buridan, et de vous donner un renseignement sans lequel vous auriez les plus grandes peines du monde à découvrir mon lieu d'exil. En effet, vous ignorez la latitude et la longitude de l'île des Pendus que j'ai réussi à déterminer et qui sont les suivantes. L'île des Pendus se trouve par 110 degrés de longitude est, méridien de Paris. Attendez. 110 degrés de longitude est. Oui. Bien, je trace cette ligne. Là. Voilà pour la longitude. Alors, silence, pistolet, silence. Ensuite, 110 degrés de longitude est et 50 degrés de latitude sud. 50 degrés de latitude sud. Bon, je trace cette ligne. Là, enfin, pistolet, ça suffit. Voilà, c'est fait. L'île se situe autour du croisement de ces deux segments, c'est-à-dire dans le voisinage du cercle antarctique, entre le Cap Horn et la Terre de la Désolation. Mais enfin, qu'est-ce que tu as, pistolet? Mais calme-toi! On dirait qu'il nous demande de le suivre. Regardez, il se dirige par là. Ah oui? Eh bien, suivons-le. Ben oui. Il veut sûrement nous faire comprendre quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il cherche sous ce meuble? Tiens, un sac de cuir. Mais oui, je me souviens maintenant. C'est le sac que M. Bondonna lui avait attaché autour du cou. Quand nous sommes échappés de l'île des Pendus. Tu es sûr, Clou? Oui. Eh bien, ouvre donc le sac, Clou. Je suis curieux de savoir ce qu'il peut bien y avoir dedans. Oh, des lettres d'alphabet en bois. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, c'est vrai, M. Buridan, mais vous savez pas. Mais dans le temps, quand on était en France, j'avais appris à pistolet à écrire. À écrire à pistolet? Ben oui, et Clou m'a dit que M. Bondonna avait continué à lui donner des leçons sur l'île des Pendus. Ça, c'est vrai. Monsieur Bondonna passait des heures à lui faire écrire des choses que moi-même je ne comprenais pas. Eh bien, pistolet, montre-nous un peu ce que tu sais faire maintenant. Allez. C'est vrai. Regardez. Il dispose une lettre avec sa patte. Un L. Une autre. O. N. G. I. T. U. D. E. Longitude. Attendez. N. O. R. Des nord. Q, U, A, R, A, N, T, E. 40. Et S, E, P, T. En plus, ils connaissent l'orthographe. 7. Longitude nord. 47. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas du tout le chiffre que nous avons trouvé dans la bouteille. Allez, pistolet, continue, c'est bien. La latitude maintenant, allez. C'est extraordinaire. Sacré pistolet. Attendez, latitude ouest, 161. Oh, ben ça, alors. C'est bien, mon chien. Maintenant, je me souviens. Monsieur Bondonna avait appris à pistolet ces mots de longitude et de latitude. Il avait essayé de m'expliquer ce que c'était, mais comme je n'y comprenais rien, il n'en avait plus parlé. Mais bien sûr.
Ah là là, nous sommes tous des crétins stupides, des huîtres, des imbéciles, des idiots, des ânes battés. Et moi le premier, je l'avoue. Nous nous sommes fait avoir comme des minables. Enfin, pourquoi dites-vous cela ? Mais oui, Oscar, et ces sacrés bandits de la main rouge sont 100 fois plus intelligents que nous. Mais pourquoi ? Vous ne comprenez donc pas que l'île des pendus se trouve au voisinage du pôle nord ? Du pôle nord ? Et que nous nous apprêtions à partir pour le pôle sud ? Mais la lettre de mon père ! Un piège ! C'est un piège ! Vous dis-je, destiné à nous envoyer nous perdre dans les glaces du pôle sud ? Une fausse lettre rédigée par les bandits de la main rouge. Mademoiselle Frédéric, vous avez des lettres de votre père, de vieilles lettres, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Eh bien, cherchez-les vite, nous allons vérifier tout de suite. Oui. Tenez, voici les lettres de mon père. Merci. Très bien, comparons. Voici la lettre trouvée dans la bouteille. Oui. Et voici les autres. Oui. Oui, évidemment, c'est bien imité. Mais regardez, les T ne sont pas pareils. Ah. Et les O sont beaucoup plus étroits. Mais oui. J'avais raison, c'est une fausse lettre. Le manuscrit trouvé dans la bouteille est un faux. Oh. Eh bien, sans pistolet, nous étions dans de beaux draps. Ah, je crois qu'en effet, on peut toujours lui faire confiance. Oh, ça c'est sûr, il se trompe jamais. Oui, l'indication donnée par pistolet ne peut être que la bonne. Voilà. À partir d'aujourd'hui, il faut absolument que personne d'autre que nous, à l'exception de Fred Jorgel, ne soit au courant de ce que nous venons d'apprendre. Mais nous partons quand même le 13 janvier, n'est-ce pas ? Ça ne change rien. Qu'en pensez-vous tous ? Ah, pas de problème pour nous. Non, non. Alors, nous partirons le 13 janvier. Et pour tromper l'ennemi, nous commencerons par nous diriger vers le sud. Oui, oui, pistolet. Viens, t'es un bon chien-chien. Tu as déjoué les plans du diabolique Cornelius. Oui, oui, mon chien. Mais le secret sera-t-il longtemps gardé, mon pistolet ? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius berné par un chien. Prochain épisode pour un chèque. C'était le mystérieux docteur Cornelius. Feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 18e épisode, Le guet-apens. Avec Pierre Vanek, Maya Simon, William Corinne, Jean-Jacques Aslanian, Pierre Constant, Gilles Guillot, Catherine Laborde, Catherine Hubot, Denis Manuel, Julien Guillaumard, Martine Ferrière et Jean-Pierre Joris. Musique du générique, Jean Vienner, bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son, Bernard Charron, collaboration technique, Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 20 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Grand feuilleton de France Culture, le mystérieux docteur Cornelius. XIXe épisode, pour un chèque. Et maintenant, c'est le calme avant la tempête.
Si ce n'est la folle agression amoureuse de Baruc contre André de Maubreuil, il ne se passe rien. Chacun attend dans le plus grand calme le départ de Lord Buridan et de ses amis. Ils savent maintenant, grâce à Pistolet, l'emplacement exact de l'île des pendus et ils sont persuadés qu'ils ont déjoué les plans de la main rouge. Cornelius, de son côté, est parfaitement confiant. Il croit qu'il a réussi à tromper ses adversaires sur l'emplacement exact de l'île des pendus. Et il sait que l'équipage de la revanche est totalement acquis à la main rouge. Chacun est sûr de posséder les bonnes cartes du jeu et tous ignorent que les cartes sont truquées. Encore Cornelius, calme-toi, calme-toi Cornelius. Ce n'est quand même pas cette ridicule aventure de Baruc qui te met dans des états pareils. Mais il s'agit bien de Baruc. Bah alors, alors. Alors. Mais tu es aveugle, Fritz. Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle nous sommes? Jamais la main rouge n'a traversé une telle passe. Tout nous claque entre les mains. Nos ennemis déjouent tous nos plans et courent toujours. Allons. Nous n'avons réussi aucune affaire importante depuis longtemps. Et la dernière en date, celle de Winnipeg, a été un échec lamentable. Nous n'avons plus d'argent, Fritz. Et sans argent, plus de main rouge et sans main rouge, plus de puissance. Il nous reste le trust. Le trust. Ah, parlons-en. William Dorgan vient de modifier son testament en faveur de Harry Dorgan. Si bien que pour le moment, cela ne sert à rien d'éliminer le vieux. Il nous faut absolument trouver d'urgence $1 million, sinon c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui te fait sourire? Tu as une idée? Non, je pensais à Balthazar Buxton. L'amateur de tableaux? L'homme au labyrinthe? Oui, j'ai reçu une lettre de lui aujourd'hui. Il veut me voir, j'ai un rendez-vous chez lui tout à l'heure. Il est immensément riche. Tu crois? Non, impossible. J'y ai déjà pensé, tu peux l'imaginer. Malheureusement, son hôtel particulier est tellement bien protégé qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a imaginé tout un système d'ascenseurs, d'escaliers dérobés, de grilles à fermeture électrique, à travers lesquelles passe un courant de plusieurs milliers de volts. Je vois. Et l'homme, comment est-il, l'homme? Portrait de Mathusalem. Et tout sec, tout ratatiné, une momie chauve à tête de mort, tiens, avec des yeux d'or d'une jeunesse extraordinaire. Des yeux d'or? Oui. Il vit seul? Oh, complètement. Il passe son temps dans une immense pièce en marbre de Carrare, entouré de ses Rembrandt, de ses Rubens, de ses Raphaël, de ses Botticelli, et de quelques centaines de contemporains, des Degas, des Monet. Je n'ai jamais pu savoir si cette pièce était au sous-sol ou au deuxième étage, il n'y a pas de fenêtre. Mais le plus inimaginable, c'est ce que ce vieillard a inventé pour faire sortir ses visiteurs. Il a un code spécial. Un Judas s'ouvre dans une porte secrète lorsqu'il appuie sur un bouton, et cette porte ne s'ouvre que lorsque Balthazar lui-même a tendu de sa main décharnée un jeton au gardien qui se trouve de l'autre côté. Oh, 2 heures déjà. Il faut que j'y aille. Je te retrouverai chez toi plus tard, Cornelius. Très bien. Essaie quand même de voir s'il n'y a rien à faire du côté de ce Balthazar Buxton. Oui. Comment allez-vous, cher monsieur Cram? Il y a bien longtemps que j'ai eu le plaisir de vous voir. Mais je vais bien. Et je vois avec joie que votre santé paraît excellente. Avouez quand même que si vous ne me voyez pas plus souvent, cher monsieur Buxton, c'est un peu de votre faute. Vous avez raison, cher monsieur Cram. Mais que voulez-vous? Quand je suis enfermé avec mes chefs-d'œuvre, j'oublie le temps qui passe. Et vous ne vous ennuyez jamais? M'ennuyer avec tous ces tableaux autour de moi, je les regarde. Et ça suffit à remplir ma vie. Oh, mais excusez-moi, je suis impardonnable. Je ne vous ai pas présenté. Monsieur Fritz Kram, la signora Lorenza. Mes hommages, madame. Je comprends en effet, monsieur Buxton, qu'en si charmante compagnie, vous ne puissiez vous ennuyer. Si je puis me permettre ce compliment, madame,
votre beauté égale les plus précieux trésors qui se trouvent dans cette pièce. N'est-ce pas? Et en plus de sa beauté, la signora Lorenza a bien voulu mettre son merveilleux pouvoir à ma disposition. Ah, et quel pouvoir? Oh, voyons, monsieur Graham, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de la signora Lorenza, la célèbre guérisseuse de perles. Non, j'avoue que... Vous n'ignorez pas que, pour conserver leur éclat, les perles doivent être portées par les femmes, sinon elles se décolorent et meurent. Ah, en effet, je savais cela. Mais j'ignorais que la signora Lorenza possédait le pouvoir de ressusciter les perles mortes. Mais de quelle façon? Tout simplement en les portant sur moi. Oui, sur elle, sur sa chair. Il s'exhale de son corps une électricité qui crée autour d'elle une atmosphère spéciale. Voyez-vous, cher monsieur Graham, la perfection des sens atteint chez la signora Lorenza un tel degré que tout ce qui l'approche devient calme et lumineux. Même les animaux les plus sauvages se couchent à ses pieds sans la toucher. Elle est née à Florence, et il n'y a que dans cette ville qu'on trouve de telles femmes. Je vois. Et serait-il indiscret de vous demander pourquoi la signora Lorenza se trouve chez vous? Mais la raison en est toute simple. Je me plais à la voir au milieu de mes œuvres d'art. N'est-elle pas elle-même un chef-d'œuvre vivant? Et puis, et son pouvoir agit aussi sur moi. En sa présence, je me sens rajeunir. Voilà bien des compliments exagérés, cher ami. Et sa voix? Vous avez entendu sa voix, une vraie voix de sirène. Arrêtez, arrêtez, cher monsieur Buxton. Oh, ne croyez pas ce qu'il dit, monsieur. En fait, je ne suis ici que pour soigner ces colliers de perles malades. Car vous savez que la perle est un être vivant. Comme l'a dit Michelet, le célèbre historien français, la perle n'est pas une personne, mais ce n'est pas une chose non plus. Et moi qui avais toujours considéré ça comme une légende. Erreur, cher ami, erreur! Regardez ce collier magnifique que porte la signora. Il y a quelque temps, ce n'était qu'un assemblage de nacre grisâtre et sans reflet. Extraordinaire. Mais j'y pense, j'ai dans mes coffres nombre de perles mortes. Si la signora acceptait d'essayer sur elle son merveilleux pouvoir. Ce serait avec plaisir. Seulement, actuellement, je me sens très fatiguée. Les perles me prennent tout mon fluide et après chaque séance, je n'ai plus aucune vitalité. Dans quelque temps, si vous le voulez. Par contre, je peux passer chez vous pour les voir, monsieur. Mais quand vous voudrez, signora. En fin de journée, si cela vous convient, bien sûr. Mais ça me convient parfaitement. Mon Dieu, déjà 4 heures. Veuillez m'excuser, monsieur, mais je dois rentrer. J'espère que ce n'est pas ma présence qui vous chasse. Mais pas du tout. À ce soir. À ce soir. Au revoir, monsieur Buxton. Attendez, attendez, cher ami. Vous oubliez qu'on ne peut pas sortir ainsi de chez moi. Attendez, je dois donner par le Judas le jeton au gardien, et ainsi mon bel oiseau pourra s'envoler. Alors, que pensez-vous de Lorenza? Oh, elle est admirable, merveilleuse. Mais au fait, quelle est donc l'affaire pour laquelle vous vouliez me voir? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai décidé d'acheter le portrait de Lucrèce Borgia par le Titien. Le portrait de Lucrèce Borgia? Mais c'est impossible, il se trouve à Venise. Et il est la propriété du gouvernement italien. Cher monsieur Graham, votre érudition est prise en défaut. Le portrait qui se trouve à Venise n'est qu'une copie de l'original, une copie de la main du Titien lui-même. Mais une copie! L'original est actuellement la propriété du milliardaire William Dorgan. Ah bon? Ah,
J'ignorais ça. Eh, mais ça ne change rien. Je connais assez William Dorgan pour vous assurer qu'il ne consentira jamais à cette affaire de ce tableau. Il aime vraiment la peinture. Et... il me faut ce portrait. Mais malheureusement, c'est impossible. Je ne peux pas vous faire une promesse que je... J'en offre un million de dollars. Un million de dollars? Ben, après tout, je pourrais peut-être persuader William Dorgan. Je vous fais confiance, monsieur Kramp. Quant aux chiffres de la commission, vous le fixerez vous-même. Attendez, vous savez bien, cher monsieur Buxton, que ce n'est pas ainsi que je travaille. En cas de succès, c'est à moi que vous achèterez le tableau et pas William Dorgan. Mais ça m'est égal. Ce que je veux, c'est avoir la Lucrèce ici. Tant mieux pour vous si vous ne l'achetez que 500 000 dollars à William Dorgan. Moi, je vous l'achète un million. Ah, mais c'est bien ainsi que je l'entends. Je vous tiendrai au courant. À très bientôt. À bientôt. Eh bien, Fritz, tu m'as l'air bien joyeux. Qu'as-tu donc trouvé chez Buxton? Un million de dollars. Ah, un million de dollars. Explique-toi. Eh bien, j'ai vu Buxton et j'ai fait la connaissance chez lui d'une femme admirable, la signora Lorenz. Tu connais? Jamais entendu parler. Alors? Alors, c'est une guérisseuse de perles. Oh. Jamais je n'ai vu de femme plus belle qu'elle. Si tu la voyais, Cornelius, un visage d'un ovale parfait, une lourde chevelure noire, d'immenses yeux bleus, d'un bleu limpide. Mais enfin, mais enfin. Elle est grande, elle est svelte, pleine de douceur, un teint d'une blancheur éblouissante, et une bouche parfaite, Cornelius, des mains. Non, mais enfin, Fritz, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu sais très bien que rien que d'entendre parler d'une femme me met hors de moi, cela ne m'intéresse pas, tu entends? Et si jamais un jour tu tombes dans le piège de l'amour, comme on dit, eh bien, ce jour-là, tout sera terminé entre nous. Tu as compris? Hein? Ne me parle plus jamais de cette femme! Mais je ne... Tu as parlé d'un million de dollars, alors? Eh bien, Buxton veut que je lui procure un tableau du Titien, qui est actuellement en possession de William Dorgan. Et il en offre un million de dollars, voilà. William Dorgan n'acceptera jamais. Eh bien sûr qu'il n'acceptera jamais, mais j'ai une idée. Louis Grivard. Louis Grivard. Ouais. Ce peintre que tu as fait chanter avec une soi-disant lettre de son père. Oui, exactement. Et qu'est-ce que ce Louis Grivard vient faire là-dedans? Tu sais que Louis Grivard possède un talent extraordinaire pour copier les œuvres anciennes. Eh bien, je vais lui demander de faire une copie du tableau que possède William Dorgan. Nous vendrons le vrai à Buxton et nous laisserons la copie de Grivard chez William Dorgan. C'est pas plus compliqué que ça. En effet, c'est ingénieux. Mais encore faut-il que Grivard puisse travailler sur place. Nous ne pourrons pas faire l'échange sans que William Dorgan ne s'en aperçoive. Mais tu sais bien que William Dorgan est en tournée d'inspection dans les plantations de coton. Baruch est actuellement seul dans le palais de son père. Et il lui sera facile d'y introduire Grivard et de surveiller son travail. Dans un mois, tout devrait être terminé. Tiens, parfois des idées géniales, monsieur mon frère. Je vais tout de suite prévenir Baruch. Bon. Eh bien moi, je file. J'ai un rendez-vous chez moi. Si c'est avec une guérisseuse de perles, je te préviens, finis notre collaboration. Les femmes sont des démons malfaisants, tu entends? Voyons, Cornelius, ne te mets pas dans des états pareils. J'ai rendez-vous avec Grivard. Hein? Personne n'est encore venu, Douglas? Si, sir. Monsieur Grivard, il est dans l'atelier. Ah, et personne d'autre? Non, sir. Une jeune femme doit venir tout à l'heure. Vous l'introduirez immédiatement. Très bien, sir. Non, ne vous dérangez pas, Grivard. Continuez. Très beau. Vraiment, vous avez du génie. La restauration de ce Pinturicchio est admirable. Ce n'est pas difficile. C'est pas mon avis. Jusqu'à présent, je n'ai encore rencontré personne qui ait votre talent. C'est sans doute pour ça que vous me retenez de force. Mais oui. Et je vous retiendrai, comme vous dites, encore longtemps. Allons.
que vous manque-t-il? N'êtes-vous pas bien payé? Monsieur... Ah, n'êtes-vous pas libre de faire ce qui vous plaît? Sans doute. Mais vous me retenez en Amérique au moyen d'une méthode inqualifiable. Si je pouvais... La signora Lorenza. Entrez. Entrez, cher ami. Eh bien, monsieur Grivard, vous semblez tout d'un coup sans voix, cher ami. Je vous présente monsieur Grivard, un artiste du plus grand talent. Monsieur Grivard, la signora Lorenza, qui a reçu le don merveilleux de rendre la vie aux perles. Eh bien, monsieur Grivard, la signora n'est-elle pas digne du pinceau des vieux maîtres? Et signora, signora Lorenza. Vous m'avez parlé. Excusez-moi, monsieur Graham. J'ai des quantités de perles anciennes dans ce coffre. Puis-je vous en faire voir quelques-unes? Mais je vous en prie. Tenez, voici des pendants d'oreilles trouvés dans un sarcophage égyptien. Leurs perles sont sans doute contemporaines de celles qu'avala la reine Cléopâtre après les avoir fait dissoudre dans du vinaigre. Et en voici d'autres qui ornèrent le pourpoint de... Oh! Oh, le téléphone! Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez mon audace, signora, mais monsieur Kram va bientôt revenir et... Puis-je me permettre de vous demander une grande faveur? J'aimerais faire votre portrait. Je serais très heureux si je pouvais vous revoir. Moi aussi, monsieur Grivard. J'habite un petit hôtel sur Broadway, au 333. Venez quand vous voudrez. Mais surtout, pas un mot à monsieur Kram. Je suis désolé, signora, mais une affaire très urgente. Mais je n'en aurai pas pour longtemps. Ah, monsieur Grivard vous tiendra compagnie, si cela ne me dérange pas trop. J'en serai très heureux. Eh bien, que se passe-t-il, Cornelius? Si seulement je le savais. Stéphane, le chef de la police, sera ici d'un moment à l'autre. Il veut te voir. Moi? Et pourquoi? Et je te dis que je n'en sais rien. Mais j'ai bien peur que nos ennuis ne s'aggravent. Ah. Oui, entrez. Sir, il y a là monsieur Stéphane, le chef de la police. Il demande à ce que vous le receviez. Oui, mais je sais, Leonello, je l'attendais. Fais-le entrer, veux-tu? Je vais vous en prie, monsieur. Oh, merci. Entrez, entrez, cher monsieur Stéphel. Je savais bien qu'un jour nous nous reverrions. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Malheureusement, ce n'est pas une visite de politesse qui m'amène aujourd'hui. Et la mission que j'ai à remplir m'est assez pénible. Monsieur Fritz Kram, je suppose. C'est moi, oui. Je ne vous cacherai pas que de graves soupçons pèsent sur vous. Sur moi? Oui. C'est bien vous qui êtes propriétaire de l'île Saint-Frédéric, plus connue dans le monde des bandits de la main rouge sous le nom d'île des pendus. Hein? L'île des pendus? Première fois que j'entends ce nom-là. Par contre, il est exact que l'île Saint-Frédéric m'appartient. Il y a bien longtemps que je n'y suis allé et... Ah, vous avouez. Mais je n'ai rien à cacher, monsieur. S'il est vrai que la main rouge... se sert de l'île, je l'ignorerais complètement. Vous l'ignoriez. Écoutez, j'ai fait moi-même cette enquête et je n'affirme rien sans preuve. Je tiens aussi à vous signaler que si je subissais la moindre voie de fait au cours de cette visite, les documents que je possède paraîtraient ce soir même dans 3 des plus grands journaux de New York. Des voies de fait? Monsieur Stéphel, voyons, voyons. Oh, nous tenons simplement à avoir quelques explications sur les étonnants soupçons que vous faites peser sur mon frère. Car si je vous comprends bien, vous l'accusez d'être complice des bandits de la main rouge. Mais exactement. Et qui plus est, j'ai des témoignages précis selon lesquels votre frère et vous-même faites partie des lords de la main rouge. Mais voyons, monsieur Stéphane, mais... Oh, c'est grotesque. J'ai toutes les preuves. Mais... Je sais que c'est vous qui avez enlevé le savant français Prosper Bondona. Je sais que c'est vous qui avez retenu prisonnier l'honorable Lord Buridan. Je sais. Écoutez,
Je vous donne une chance. Donnez-moi les noms de tous vos complices. Et peut-être qu'à cette condition, je pourrai obtenir que vous ne soyez pas poursuivi. Voici une bonne vieille ruse de guerre, monsieur Steffel. Seulement, vous nous voyez bien embarrassés, car comment pourrions-nous vous donner les noms de nos complices puisque nous n'en avons pas? Et comment pouvons-nous avouer les crimes que nous n'avons pas commis? Et bien sûr, je devine d'où part une telle dénonciation. Elle vient sans doute de ce fameux Lord Buridan, qui s'est échappé du Lunatic Asylum et qui a assassiné un honnête citoyen américain. L'honorable Lord Buridan m'a en effet aidé à élucider quelques points qui manquaient à mon enquête. C'est lui qui m'a donné les coordonnées exactes de l'île des Pendus, ce qui m'a permis de découvrir qu'il s'agissait de l'île Saint-Frédéric. Par contre, je n'ai pas jugé utile encore de lui signaler que c'était vous, monsieur Fritz Kram, qui étiez le propriétaire de cette île. Mais vous êtes libre de le faire, monsieur Steffel. Cher monsieur Steffel, je suis quand même pas responsable de ce qui se passe dans une île déserte où je n'ai pas mis les pieds depuis des années. Eh bien, je vais le lui dire. Et savez-vous ce qui va se passer ? Lord Buridan sollicitera et obtiendra l'envoi d'un cuirassé. Dans tous les cas, cette affaire vous causera un tort considérable, même en admettant que vous ne soyez pour rien dans les agissements de la main rouge. Voyons, monsieur Steffel, voyons. Vous savez qui je suis. Et je peux espérer que vous me faites autant confiance que vous pouvez le faire à ce Lord Buridan. Eh bien, je vous affirme, moi, que mon frère n'a rien à se reprocher. Et je suis sûr que l'enquête que vous mènerez avec votre sagacité habituelle établira totalement son innocence. C'est une possibilité, mais qui me dit que vous ne chercherez pas à vous soustraire à l'action de la justice? Eh bien, cher monsieur Steffel, voulez-vous une preuve de notre bonne foi? Bien. Je vais immédiatement déposer entre vos mains une caution de 50 000 $. Ainsi, vous serez sûr que ni mon frère, ni moi, ne chercherons à nous échapper. Évidemment, cette proposition est en votre faveur. Il est possible, après tout, qu'une erreur ait été commise à votre sujet, n'est-ce pas? Et avant de déclencher un scandale tel que celui que causerait votre arrestation, je veux élucider cette affaire en toute impartialité. Et vous reconnaîtrez bien vite, cher monsieur Steffel, que l'on s'est trompé en nous dénonçant. Excusez-moi un instant. Je vais chercher mon carnet de chèques. Prenez un porte-toi. Plus je réfléchis, plus je suis persuadé, cher monsieur Fritz Kram, que vous avez été victime d'une dénonciation calomnieuse. Bah oui. Ce ne sont pas des hommes comme vous, ou comme votre frère, le célèbre docteur Cornelius Kram, qui pouvaient être affiliés à l'association de la main rouge. Mais c'est évident, non? Oui, tout à fait évident, cette accusation est absurde. Vous savez ce que je vais faire? Non. Eh bien, je vais classer cette affaire. Voilà. Voilà. Mon carnet est avec moi. 50 000 $. Je le fais à l'ordre de qui, monsieur Steffel? Au porteur. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Tenez. Et n'oubliez pas que s'il arrivait que l'on nous accusa de nouveau, nous serions toujours prêts à fournir une caution. Lionello! Veux-tu raccompagner, monsieur Steffel? Au revoir, messieurs. J'espère que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera dans des circonstances plus agréables. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous l'avons échappé, même. Oh, mais enfin, Cornelius, je ne te comprends pas. Le danger reste le même. Non? Je n'ai aucune confiance dans ce Steffel. C'est un maître chanteur sans scrupules. Que pouvons-nous faire? Rien. Attendre. Attendre? Ne t'inquiète pas. Quand je suis allé chercher mon carnet de chèques, j'ai donné des ordres. D'ici peu de temps, nous serons débarrassés de ce Steffel. Oui, mais n'est-ce pas imprudent? Les journaux vont... Voyons, voyons, Fritz. Il est bien trop malin pour s'être confié à qui que ce soit. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est la façon dont Buridan a découvert l'emplacement exact de l'île des Pendus. Notre stratagème n'aurait donc pas marché. Curieux.
Ah, alors, Leonello. C'est fait, sœur. Monsieur Steffel a été liquidé conformément à vos ordres. Très bien. Très bien. Très bien. Et comment cela s'est-il passé? Sans aucun problème. Au moment où la voiture de police qui transportait Monsieur Steffel traversait la 5e avenue, Slug, au volant de sa voiture, l'a violemment embouti. Sous l'impulsion du choc, Monsieur Steffel a été éjecté sur la chaussée. Ah, bien. Il a été immédiatement transporté à la pharmacie qui fait l'angle de la 5e avenue et de la 40e rue où je suis arrivé en même temps que lui. J'ai immédiatement donné vos ordres au pharmacien, qui est un des nôtres. Ben, alors. Eh bien, il lui a administré un premier traitement, mais malheureusement, il s'est trompé de drogue. Il lui a injecté un poison violent. Ce pauvre monsieur Steffel est mort sans avoir repris connaissance. Eh oui. Eh oui. L'erreur est humaine, et même les pharmaciens n'y échappent pas. Le chèque. Le voilà, sœur. Bravo, Leonello. Bravo. Et Slug. Disparu dans la nature sans que personne n'ait eu le temps de l'apercevoir. Très bien, Leonello. Bien. Tu le féliciteras et tu le récompenseras de notre part. Tu peux disposer. Oh, tu es remarquable, Cornelius. Sans toi. Ouais. Oh, mais excuse-moi, il faut que je rentre chez moi. Grivard, m'attends. J'allais justement le mettre au courant de cette affaire de tableau quand tu m'as appelé. En as-tu parlé à Baruch? Oui, tout est arrangé. Ton Grivard pourra se mettre au travail dès demain. Mon Dieu, quel pays que l'Amérique! Quelle mœur! Un chef de la police qu'on achète, une pièce de musée que l'on vole en la remplaçant par un faux. Oh! Heureusement que ces choses-là n'arrivent que dans les feuilletons. Mais cela n'arrive-t-il que dans les feuilletons? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le portrait de Lucrèce Borgia. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Loria, d'après le roman de Gustave Le Rouge, 19e épisode, pour un chèque. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Ginette Pigeon, Didier Conti, François Darbon, Pierre Michael, Max Vial. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier. Réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 23 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 20e épisode. Le portrait de Lucrèce Borgia. Le sinistre trio des Lords de la Main Rouge est toujours à la recherche d'argent. Mais la providence diabolique qui les protège est encore une fois venue à leur secours en la personne du collectionneur d'art Balthazar Buxton. Ce vieillard, milliardaire et maniaque, a en effet promis $1 million à Fritz Kram si celui-ci pouvait lui procurer le célèbre portrait de Lucrèce Borgia, une toile du Titien, qui appartient à William Dorgan. Fritz Kram a aussitôt imaginé de faire une copie du tableau par Louis Grivard, un peintre français qu'il tient, pour quelle mystérieuse raison, entièrement sous sa coupe. Seulement, au cours de sa visite chez Balthazar Buxton, Fritz Kram a fait la connaissance de la belle Lorenza, la guérisseuse de perles, et il en est tombé
follement amoureux. Oh oui, Fritz Kram. Fritz Kram est amoureux. Mais n'était-ce pas un peu imprudent de sa part de présenter Lorenza au peintre Louis Grivard ? Graziella ? Graziella, où es-tu ? La signora Lorenza m'a appelée. Oui, Graziella, dis-moi, monsieur Grivard n'est pas encore arrivé ? Oh, mais voyons, signora. La signora sait bien que s'il était déjà arrivé, il serait déjà près d'elle. Oh, vraiment, la signora est très amoureuse. C'est vrai, Graziella. Cela fait maintenant un mois que je connais Louis. Et je l'aime chaque jour davantage. Tu ne peux pas savoir comme je suis amoureuse. Et triste à la fois. Triste, signora? Oui, j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il a l'air souvent si préoccupé. Cette nuit, j'ai rêvé qu'il était malade. Oh, si c'était vrai! Oh, c'est lui, enfin! Oui. Va, vite ouvrir, Graziella! Lorenza. Louis, enfin. Oh, j'ai si peur que vous ne veniez pas, si vous saviez. Vous n'êtes pas malade, n'est-ce pas? Malade, moi? Non, pourquoi? En voilà une idée. Oh non, Louis, ce n'est pas une idée, mais un rêve. Un rêve? Oui, j'ai rêvé que vous étiez malade. Et les rêves ne trompent jamais. Laissez-moi vous regarder. Vous avez l'air triste. Préoccupé. Je suis sûre que vous me cachez quelque chose. Dites. Vous êtes une vraie magicienne, Lorenza. On ne peut rien vous cacher. Oui, c'est vrai. J'ai des ennuis. Asseyez-vous près de moi. Et racontez-moi ce qui ne va pas. Ai-je droit à un baiser avant? Maintenant, je vous écoute. Voilà. Vous savez que depuis déjà un mois, je travaille à la reproduction d'un tableau du Titien, cette fameuse Lucrèce Borgia qui appartient au milliardaire William Dorgan. Oui, je sais. C'est la commande que vous a faite Fritz Kram. Il paraît que votre copie est aussi parfaite que l'original. Sans fausse modestie, c'est vrai. C'est bien là le problème. Le problème? Mais pourquoi? Parce que Fritz Kram m'a demandé de substituer ma copie à l'original. Et ça, je ne peux pas l'accepter. C'est du vol pur et simple. Mais c'est bien facile, vous n'avez qu'à... Eh bien non, justement, ce n'est pas si facile. Si je n'obéis pas à ce misérable, je m'expose à des représailles terribles. Mais je ne comprends pas pourquoi. Que peut donc Fritz Kram contre vous? Oh, hélas, il peut beaucoup. Je vais tout vous raconter, Lorenza. Je crois vous avoir dit déjà que j'avais perdu mon père, n'est-ce pas? Oui. Seulement, je ne vous ai jamais dit comment il était mort. Il s'est suicidé. Oh. C'est une longue histoire. Mon père était industriel et possédait plusieurs usines dans la région parisienne. Ses affaires marchaient parfaitement bien, seulement... L'année dernière, le banquier auquel mon père avait confié tous ses capitaux est passé à l'étranger en laissant un déficit de plus de 3 millions. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire quelques expositions pour gagner ma vie. Mon père, lui, s'est embarqué pour New York. Le pauvre homme. Il espérait pouvoir y refaire fortune. Je devine qu'il n'a pas réussi. Mais non, malheureusement. 3 mois plus tard, j'ai reçu une dépêche qui m'annonçait son suicide. J'ai dû alors partir pour New York afin de m'occuper de son enterrement et j'y suis resté. Comme il fallait bien que je survive, j'ai organisé une exposition avec les tableaux que j'avais apportés avec moi. C'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Fritz Kram. Il a acheté 2 de mes toiles. J'ai très vite compris que ce qui l'intéressait surtout, c'était mon habileté à recopier les maîtres anciens. Un jour, il m'a demandé de venir le voir dans son hôtel particulier. Et c'est alors qu'il a dû vous faire tomber dans quelques traquenards. C'est bien cela, n'est-ce pas? En effet. Je n'étais pas plutôt entré dans son bureau qu'il a sorti une lettre de son portefeuille et me l'a tendue. C'était une lettre de mon père, une lettre terrible. Il y écrivait sa détermination de se donner la mort. Et il ajoutait qu'il avait volé 50 000 $ à Fritz Kram et qu'il ne pouvait survivre à ce déshonneur. Oh, mon pauvre Louis, comme vous avez dû être malheureux. J'étais atterré.
Fritz Kram m'a demandé ce que je comptais faire. Bien sûr, je lui ai répondu que je le rembourserais jusqu'au dernier dollar et je lui ai immédiatement signé une reconnaissance de dette. Alors il m'a proposé d'entrer à son service afin de m'occuper de la restauration de tableaux anciens. Et depuis, je suis obligé de me soumettre à toutes ses exigences. Oh, le misérable. Si encore je lui devais réellement cette somme. Mais pourquoi dites-vous cela? Croyez-vous que... Quelques jours plus tard, j'ai reçu de Paris une lettre de mon père qu'il m'avait envoyée avant sa mort. Il m'écrivait son intention de se suicider, mais insistait sur le fait qu'il mourrait sans devoir un sou à personne, et que j'avais ainsi le droit de respecter sa mémoire comme celle d'un homme intègre. Mais alors la lettre que Fritz Kram vous a montrée, c'était un faux? Bien sûr. Louis, il faut absolument que vous récupériez cette reconnaissance de dette. J'y ai bien pensé. Mais comment? Je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Mais pour le tableau, que puis-je faire? Je ne peux quand même pas... Mais si vous apportez à Kram la copie que vous avez faite, croyez-vous qu'il s'en rendra compte? Oh non, sûrement pas. Seulement, tout n'est pas si simple. J'ai appris par une indiscrétion que Fritz Kram devait vendre ce tableau à Balthazar Buxton. Vous voyez que la situation est inextricable, Lorenza. Ne nous décourageons pas. Je vais y réfléchir, vous dis-je. Je suis sûre que nous nous en sortirons. Pour le moment, l'essentiel est de gagner du temps. Attendez au moins jusqu'à demain avant de livrer le tableau à Fritz Kram. D'ici là, j'aurai sûrement trouvé un moyen. Eh bien, Louis, vous ne m'embrassez pas? Un tout petit baiser? Oh, ma chérie. Comme je vous aime. La signora a bien dormi? Oh. Oh non, très mal, Graziella. Oh. Oh. Approche de mon lit le petit bureau de citronnier, Graziella, veux-tu? Voilà, comme ça, merci. Je vais te donner un télégramme pour le signor Fritz Kram. Voilà, porte-le tout de suite à la poste. Non, attends! Avant de partir, referme les rideaux. Je vais essayer de dormir encore un peu. J'attends la visite du seigneur Kram à 3 heures et j'aurai besoin d'être en pleine forme. Attends, ce n'est pas tout. Tu t'occuperas aussi de faire nos malles. Nos malles, signora? Ah oui, Graziella, il se peut que nous soyons obligés de partir ce soir ou demain. Bien, signora. Bon repos, signora. N'oublie surtout pas le télégramme. Graziella, va ouvrir, s'il te plaît. Oui, signora. Quelle exactitude, cher monsieur. Quelle joie. Quelle joie et quelle surprise. Vous êtes ravissante. De plus en plus ravissante. Dès que j'ai reçu votre télégramme, j'ai tout de suite pensé que... Mais seriez-vous enfin décidé à vous montrer moins cruel avec moi? Puis-je espérer? Pas si vite, signor Kram. Pas si vite. Mais pourquoi donc faire venir, alors? Oh, est-ce que je sais, moi? Un caprice? Peut-être n'avais-je rien à faire cet après-midi? Peut-être voulais-je vous faire goûter de mon excellent muscat? Peut-être un caprice, vous dis-je? Un caprice de femme. Mais tenez, goûtez donc de ce vin. Merci. Oh, signora, je vous en supplie, arrêtez de jouer avec moi comme le chat avec la souris. Vous me rendez fou, vous savez.
fou de désir, fou de... Je vous aime, signora. Je suis fou de vous. Malheureusement, mon cher, c'est une passion que je ne partage pas. Oui, 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 je ne vous demande pas de m'aimer du jour au lendemain. Si seulement vous pouviez avoir pour moi un peu de bonté, un peu d'affection, un semblant de désir. Ah, vous verriez, je vous rendrai la plus heureuse des femmes. Je vous en prie, signora. Tenez, là, là, là. Je vous le demande à genoux. Oh, relevez-vous, monsieur Cram, voyons. Vous êtes ridicule. Mais dites-moi, voilà une déclaration en règle. N'abuseriez-vous pas de mon hospitalité? Oh. Allons, soyez sage. Et asseyez-vous plutôt là. Comme ça, oui. Et prenez encore un verre de muscat. On dit en Italie que ce vin a le goût des baisers. Ne le trouvez-vous pas? Non, enfin, que voulez-vous de moi? Lorenza, je t'en supplie, sois à moi. Et je mettrai à tes pieds des monceaux d'or, des montagnes de dollars. En voilà des promesses. Moi, je suis bien sûre que si je vous demandais seulement les quelques dollars que vous avez dans votre portefeuille, vous ne m'en donneriez même pas un seul. Eh bien, tu te trompes, Lorenza. Tiens, voilà mon portefeuille. Prends ce que tu veux. Il y a plusieurs milliers de dollars, ils sont à toi. Prends-les tous. Ah, voyons. Des billets de 100 dollars. Et ils sont tout neufs. Oui. Voyons. 1, 2, 3, 4. Pourvu que les lettres soient là. 6, 7. Si ce misérable les avait laissés dans son coffre-fort, tout serait perdu. Ah non, voilà. La lettre du père de Louis. La reconnaissance de dette, vite. Il n'a rien vu. Je les cache dans mon corsage. Et maintenant, vite, je jette les dollars dans le feu. 19, 20, 21. Et hop, hey, le feu. Hé, hey. Qu'est-ce que tu fais? Quelle belle flamme. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle, ce sont des dollars, Lorenza Boyo. On ne brûle pas des dollars. Je croyais qu'ils étaient à moi. Mais non, mais oui, oui, mais... Bon, après tout, fais ce que tu veux. Mais rends-moi au moins les papiers qu'il y a dans ce portefeuille. Il y a des lettres auxquelles je tiens. Des lettres? Ah ah! Des lettres de femme, bien sûr. Mais c'est que je suis une femme très jalouse, monsieur Cram. Très jalouse. Allez, hop! Ah, au feu, les lettres de vos maîtresses! Au feu, toutes ces paperasses! Au feu! Au feu! Hé, hey, mais tu es folle, enfin, tu es folle! Rends-moi ces papiers, voyons! Ne m'approchez pas! Ne m'approchez surtout pas! Tout brûle! Fini les lettres de vos maîtresses! Fini! C'est vrai, tu es jalouse, Lorenza. Je ne comprends pas. Pourquoi, il y a 10 minutes, tu disais que... Oh, décidément, je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Vous êtes terrible, vous savez, Lorenza. J'ai fait ce que vous me demandiez. Non? Alors, j'ai bien droit à un baiser. Un baiser, Lorenza. Un seul, un tout petit. Non. Vous avez mis trop de mauvaise grâce à céder à mes caprices. Et puis, je ne vous ai rien promis du tout. Oh, Lorenza, je n'en peux plus. Vous êtes cruelle. Mais non, je ne suis pas cruelle. Un peu capricieuse, c'est tout. Vous me le pardonnez, n'est-ce pas? Oh. Allez, revenez demain. Je vous récompenserai comme vous le méritez. Oh. Non, non. Demain, vous dis-je. Bon, alors... À demain. Graziella. La signora m'a appelé. Oui, Graziella. Raccompagne le signor Cram et reviens ensuite ici. À demain, monsieur Cram. À demain. Oh, pauvre Louis. Comme il va être heureux. Ah, Graziella. Vite, laisse les malles pour le moment et appelle-moi un taxi. Je dois aller le plus vite possible dire au signor Balthazar Buxton que le tableau que Fritz Cram lui apportera est un faux. Bien, signora. «
Bonjour, monsieur. Bonjour, Douglas. Bonjour, monsieur Privard n'est pas encore venu. Si, il vient juste de repartir, sir. Bon. Il a laissé pour vous une caisse qu'il a déposée dans le grand... Bon, c'est très bien, c'est très bien. Venez avec moi, Douglas. Ah. Vous allez m'aider à ouvrir cette caisse. Bien, sir. Je suis quand même curieux de voir ce tableau avant de l'apporter à Balthazar Buxton. Hé là, doucement, doucement, Douglas, voyons. C'est un tableau ancien. Là, voilà. Aidez-moi, Douglas. C'est ça, comme ça, là. Mais attention! Oh! Quelle merveille! Ben, c'est bien, Douglas, merci, merci. Vous pouvez vous retirer. Bon. Tout s'est bien passé. Heureusement que cet imbécile de Grivard a obéi à mes ordres. Tant qu'il croira que j'ai toujours cette fameuse lettre que Lorenza vient de réduire en cendres, je le tiendrai sous ma coupe. Et c'est là le principal. Bon, il va être 5 heures, le vieux Buxton m'attend à 6 heures. Je ne serai même pas en retard malgré ma visite à cette charmante sorcière. Bonjour, monsieur Graham. Alors, ce chef-d'œuvre... Le voici, monsieur Buxton. Vous serez pleinement satisfait. Et je l'espère. D'ailleurs, vos chèques sont prêts. J'en ai préparé 5 de 200 000 $ chacun, payables à la Central Bank. Cela vous convient-il? Oh, je vous fais confiance, monsieur Buxton. Et voilà le tableau. Ah! Regardez. Je comprends votre silence. Une telle œuvre laisse muet d'admiration. D'admiration? Monsieur Graham, ou bien vous êtes un voleur, ou bien vous êtes un imbécile. Choisissez. Hein, moi? Cette toile est un faux, monsieur Graham. Un faux très bien fait. Mais un faux, tout de même. Ou bien vous le savez, et vous êtes un voleur. Ou bien vous avez cru de bonne foi que cette toile était du Titien. Et alors, vous n'êtes qu'un imbécile. Vous allez me faire le plaisir de remporter ça immédiatement et de ne plus jamais remettre les pieds chez moi. Monsieur Buxton, ce n'est pas ainsi qu'on traite les affaires. Je ne doute pas que vous soyez un fin connaisseur, mais vous pouvez vous tromper également. Vous m'avez demandé de vous procurer un tableau qui appartenait à William Dorgan. Je l'ai acheté, je l'ai payé, et le voici. Payé? Pas bien cher, sûrement. Oui, mais ça ne vous regarde en aucune façon. Vous m'avez promis 1 000 000 $, vous me les donnerez. D'ailleurs, je suis sûr, quant à moi, que ce tableau est bien du Titien. Ou d'un parpoucheur à votre solde. Allez-vous-en. Sortez immédiatement ou j'appelle. Ah non, vous n'appellerez pas. On ne chasse pas comme ça, Fritz Kram. Je veux mon argent et je l'aurai. Écoutez, monsieur Kram, je ne suis pas aussi jeune que vous et je ne puis donc crier aussi fort. Mais vous me fatiguez. Je veux mes 5 chèques et tout de suite. Vous n'êtes qu'un misérable. Non, 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 ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. N'essaie pas de sonner ou je t'étrangle. Lâchez-moi. Oh, il est mort. Bon, vite l'échec. Où sont-ils? Ah, là, dans le bureau d'ivoire. Ah, ils y sont. Oh, vite, il est temps que je file. Et la porte, où est la porte? Ah, oui, là, dans la muraille. Oh, mon Dieu, le jeton. J'allais oublier cette histoire de jeton. C'est Balthazar qui le donne à travers le Judas. Et j'avais oublié. Je suis pris au piège. On va me découvrir enfermé ici avec ce cadavre.
Bon, un vieux fou. Un sadique, un malade, voilà ce qu'il était. Et moi, maintenant, pris comme un rat. Et comment sortir? Voyons, Fritz, calme-toi. Allons, calme-toi. Et réfléchis. Voyons. D'abord, le jeton. Il doit être dans une de ses poches. Fouillons-le. Tu ne triompheras pas, vieux squelette. Ah! Je l'ai! Mais, oui, mais si je le passe moi-même à travers le judas, le gardien va se méfier. Il n'ouvrira pas. Voyons, voyons. Ah, mais, oui, voilà. Bien sûr, voilà ce qu'il faut faire. Je vais traîner le cadavre jusqu'au judas. Je frapperai selon le code de Buxton. Le judas s'ouvrira. Je ferai passer la main du vieux avec le jeton dedans. Et allons-y. Oh, 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 il est léger comme une plume. Allez, ah, ouvre ta main, vieille carcasse. Allez. Très bien, comme ça. Bon, je frappe. Cette fois, je l'ai échappé mal. Ah, il faut absolument que je prévienne Cornelius. Le 759-34-75, mademoiselle. J'espère que nous pourrons tout de même toucher le million de dollars. Allô? Allô, Leonello? Passez-moi mon frère, s'il vous plaît. Oui? Ah, allô, Cornelius? Ah oui, je l'ai. J'ai l'argent. Mais j'ai tué Buxton. Ah non, 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 non. Non, non, je te raconterai. Non, je suis chez moi. Non, 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 personne. Aucun domestique de Buxton ne connaît mon nom. Attends demain matin. Pour toucher les chèques aussi. Oui, bon, 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 bon. D'accord, Cornelius. Entendu, Cornelius. Je ferai comme tu me dis. Entendu. Demain matin chez toi. D'accord, Cornelius. À demain, Cornelius. Tu as lu les journaux, Fritz? Non. Pas encore, pourquoi? L'hôtel de Balthazar Buxton a brûlé cette nuit. Tout a été réduit en cendres. On a retrouvé son cadavre carbonisé. La plupart de ses domestiques sont morts asphyxiés en essayant de s'échapper du labyrinthe. C'est toi qui as organisé ça? Non, non, pour une fois la main rouge, n'y est pour rien. Alors c'est à croire qu'une providence diabolique nous protège. Oh, je pense que c'est beaucoup plus simple que cela. Je suppose que cet incendie doit être l'œuvre de quelques-uns de ses domestiques. Quand ils ont découvert son cadavre, ils ont compris que la seule chose qui leur restait à faire était d'emporter ce qu'il y avait de plus précieux et de cacher leur vol en allumant un incendie. En tout cas, nous allons pouvoir toucher l'échec. Ah, sans aucun problème. Mais au fait, ton peintre, Grivard, oui. Il n'est au courant de rien, j'espère. Oh, ne t'inquiète pas, il se taira. Mais tu as raison. Ah, oui, ah. Je vais quand même passer chez lui. C'est plus prudent. Qui c'est que vous demandez? Monsieur Grivard, monsieur Louis Grivard. Ah, le peintre? Oui. Il a foutu le camp. Hein? Vous voulez dire qu'il n'est pas chez lui en ce moment? Je vous dis qu'il a foutu le camp.
Hier soir, avec ses valises et tout, même que la souris qui est venue me chercher, elle était comme ça. Vous ne sauriez pas où ils sont allés par hasard? Ils allaient à la gare maritime. Bah, pour savoir où ils allaient après, ça. Ils m'ont pas mis au courant. Ouais. Hé, dis donc, bah, pourriez dire merci au moins, non? Broadway, numéro 333. Et vite, Douglas! Ah, nous y sommes. Attendez-moi là, Douglas. J'ai bien peur de ne pas en avoir pour très longtemps. Pour louer la maison! C'est ici, monsieur! Louer la maison? Vous avez pas vu l'écriteau? House to let. Chez nous, ça veut dire à louer. Ah oui? Ben non, je n'avais pas remarqué. Si c'est pour la belle italienne, vous venez trop tard. Il fallait venir hier. Parce qu'avec tous les bagages qu'elle emportait, ça m'étonnerait qu'elle revienne. Hein? Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Chez mon frère Douglas. Ah, c'est bien moqué de moi, la belle Lorenza. Ah, je l'aimais pourtant. Cornelius a peut-être raison, finalement. Pas de femme, pas de problème. Ah, facile à dire, lui, il couche avec la science. Mais moi... Bon, enfin, il est temps de revenir aux choses sérieuses. Maintenant que nous avons ce million de dollars, nous allons pouvoir mettre au point notre plan de capture de la revanche et l'extermination de nos ennemis. Adieu, Lorenza. La main rouge est un vrai sacerdoce. Pauvre Fritz Kram. N'est-ce pas dramatique de n'être même pas aimé pour son argent? Et n'aurait-il pas mieux valu pour nos amis qui vont embarquer sur la revanche que la belle Lorenza se fût montrée moins cruelle avec lui? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, TSF. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria d'après le roman de Gustave Le Rouge. 20e épisode, le portrait de Lucrèce Borgia. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Odette Barrois, Ginette Pigeon, Pierre Michael, Didier Conti, François Darbon. Musique du générique, Jean Viener, bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son, Bernard Charon, collaboration technique, Noélie Louis-Marie, assistante, Brigitte Bouvier, réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, le 24 janvier 1978.